Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est l'un des projets phares du gouvernement Legault, les maisons des aînés. Après des reports, des difficultés d'approvisionnement, des hausses de coûts, la toute première maison des aînés alternative de la province ouvre ses portes ici à Sherbrooke. Marion, les premiers résidents vont bientôt emménager. Dès le 30 novembre prochain, Chantal, c'est un déménagement qui va se dérouler en trois phases. D'abord, avant Noël, il y a 36 aînés qui sont actuellement au CHSLD temporaire Bowen, 12 adultes également qui vont s'installer dans cette nouvelle maison des aînés. Ensuite, il y aura d'autres résidents qui vont emménager au printemps, puis finalement à l'automne prochain. Et aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'on a enfin pu voir à quoi ressemblent ces fameuses maisons des aînés dont on parle depuis 2018 précisément. Et on a pu faire cette visite justement en compagnie d'une des futures résidentes. Oh. Et voilà, c'est vrai. C'est officiel. Le 30 novembre prochain, les premiers résidents déménageront dans la maison des aînés et alternatives de Sherbrooke, la toute première à ouvrir ses portes au Québec. Très fébrile. Mélanie Bérard attend ce moment depuis longtemps. Elle occupera bientôt l'une de ses chambres. C'est pas évident de vivre avec des personnes âgées, alors vivre avec des personnes qui ont, excusez-moi l'expression, mais toute leur tête, ça va faire changement. Que ça soit vraiment adapté pour nous comme ça, c'est la première fois. Il y a une chambre bariatrique dans le bâtiment. Donc... Il aura fallu 4 ans et 2 élections pour concrétiser cet engagement, pris initialement en 2018 par François Legault. C'est la première inauguration officielle. La CAQ avait promis de livrer 2600 places dans les maisons des aînés d'ici 2022. Un objectif qui ne pourra pas être respecté. On a quand même des maisons qui sont en chantier actuellement, mais pour lesquelles, malheureusement, là, il y a des retards d'environ 6 mois. On respecte là, les coûts qui sont prévus. Pour l'instant, les coûts restent les mêmes. 80 millions de dollars pour la maison de Sherbrooke. Au total, 2,8 milliards pour les 46 installations à travers la province. On parle quand même à terme d'un projet de tout près de 3 milliards pour 3 000 places. Il va y avoir des écarts majeurs entre la qualité des services offerts ici, dans une magnifique maison des aînés, puis dans nos CHSLD qui sont absolument vétustes. 120 résidents, soit 84 aînés et 36 adultes avec des limitations physiques ou intellectuelles, s'installeront dans ces unités au cours des prochains mois. Ils auront chacun leur chambre et leur salle de bain. La philosophie ici, c'est de vivre comme à la maison. Il y a un espace cuisine, donc les proches pourront faire de la cuisine avec leurs aînés ici. Ici, les familles peuvent vraiment cuisiner. Plus d'une centaine d'employés s'activeront entre ces murs. Mélanie Bérard sait déjà ce qu'elle fera en s'installant. Défaire mes boîtes et mettre ma chambre à mon goût. En Estrie, la prochaine maison à ouvrir ses portes sera celle de Magog au printemps prochain. Ici Marion Bérubé, Radio-Canada, Sherbrooke.